Salut, aujourd'hui présentation de mon tout nouveau vélo, un Sun Prime S1, donc de 2019, que j'ai acheté d'occasion. Alors déjà, le Sun Prime, comment il est équipé? Donc faut savoir déjà tout d'abord que le Sun Prime, c'est le premier cross-country, enfin non, c'est le cross-country semi-rigide de la marque de chez Sun, marque française. Donc là, c'est la gamme S1, donc c'est le... Ça commence à viser dans le haut de gamme. Donc voilà. Déjà, regardez donc le cadre qui est en carbone. Donc un cadre carbone entièrement carbone. Donc de chez Sun. Avec là, donc le cadre, il faut savoir que c'est un des cadres les plus légers de sa gamme. Le cadre fait moins d'un kilo, ce qui est vraiment énorme. Petite spécificité, c'est que le cadre là. Ils ont fait un système qu'ils ont appelé le Y, où en fait il y a là on a un le cadre, en fait il va être remis, il va être relié par une petite barre carbone. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, la fourche. Alors la fourche, c'est une RockShox Seed RL, donc en 100 mm de débattement, donc une super fourche qui fonctionne à air. Avec le blocage ici même au guidon, donc de la marque RockShox, toujours le blocage. Donc voilà. Niveau transmission, donc c'est une transmission SRAM GX principalement. Donc on a un plateau carbone SRAM stylo, donc pardon, Truvative stylo en 30 dedans. Et à l'arrière, une cassette donc GX, donc 10-50 dedans, donc c'est un 100% de développement. Avec le derrière SRAM GX et la manette SRAM GX. Au niveau des roues, c'est des Crossmax Elite. Donc encore une fois, des super roues. Là, petit détail, le bruit du cadre libre, que je trouve juste incroyable. Donc dessus, à la base, c'était des donc Shingston Skeleton. Un tubeless ready et à l'avant il a monté des Shingston Taipan, voilà, qui sont un peu plus crantés pour plus d'accroche. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Les périphériques, donc une potence Sun avec un cintre. Alors le cintre, je sais pas quelle marque c'est, je vais juste vous dire qu'il est carbone. Voilà. Donc la selle, c'est une Race Face Turbine que je vais changer, je vais prendre une télescopique. Et la tige de selle, pardon, c'est une Race Face Turbine. Et la tige de selle, la selle, c'est une WTB, donc carbone et titane. Donc les rails sont en titane et la selle carbone. Les freins, donc les freins, c'est des SRAM Level TLM. Encore une fois, des assez bons freins qui ont l'air de bien freiner en 180 à l'avant, 160 à l'arrière. Ce qui fait le plus. Après, qu'est-ce que je peux rajouter? Et donc les poignées, c'était Lizardskin, je connaissais pas la marque et franchement ils sont pas mal du tout. Le petit porte-bidon qui va bien au carbone, voilà. Et les pédales Shimano XT qui sont des super bonnes pédales. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour du vélo. Donc ça, c'est mon nouveau vélo. Ce qu'il faut savoir, c'est que le poids, il est assez léger. On est sur un vélo qui fait 9,5 kg, donc vraiment léger. Et qu'à la base, il coûte 3,5 kg. Donc voilà. C'est mon tout nouveau vélo. Ah oui, aussi petit détail, le collier de selle est aussi en carbone. Au point où on en est, autant mettre du carbone de partout. Donc moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!